Bonjour les amis, donc aujourd'hui c'est une grosse journée de nettoyage qui s'annonce. Voilà, donc changement des plateaux, des papiers de fond de cage, nettoyage au Karcher des grilles, et en même temps je vais séparer tout ce qui est chardonneret dans une salle et tout ce qui est canari dans l'autre salle. Donc je mettrai ici tous les chardonnerets, parce que là j'ai un petit mélange. Voilà, donc j'ai un mélange de chardonnerets et de canaris. Voilà, donc des jeunes canaris ou des canaris reproducteurs. Donc je vais essayer de réagencer tout ça, donc faire 5 batteries de chardonnerets, 5 volières de chardonnerets ici. Et de l'autre côté, faire deux batteries en fait de canaries. Voilà, donc vous voyez très bien qu'on est en période de mue. Donc les canaries sont en début de période de mue. Voilà, les chardonnerets sont à la fin. Donc vous voyez toutes les plumes. Donc ça, j'ai aspiré hier avant les extinctions de lumière. Et là, c'est début de la journée, quoi. Voilà, donc j'aspire deux fois par jour, le matin et le soir. Donc je vais commencer par ouvrir la porte du jardin, parce que je vais sortir tout le matériel et je laverai tout à l'extérieur. Donc dans un premier temps, je vais changer les papiers de fond. Voilà, donc vous voyez ce que les chardonnerets mangent. Donc je changerai les papiers de fond, je laverai les plateaux, je laverai les grilles. En fait, chez les chardonnerets, les grilles, elles sont pas si sales que ça. Mais bon, on va tout nettoyer parce que les chardonnerets, ils sont pas nombreux dans les cages. J'en ai mis 4 par batterie, quoi. Donc vous voyez leur masque. Voilà, donc ils ont la pâté de coloration. Donc regardez le masque, comment il sort. Essayer aussi de vous montrer les autres. Donc les masques, ils sont un peu dégueulasses, c'est normal parce que la plume, elle s'est pas encore élargie. D'abord il faut qu'elle sorte et après elle va s'élargir. Vous voyez, il y a des taches rouges intensives et d'autres taches rouges orangées. C'est tout à fait normal. Donc tout ça sera homogène une fois que la plume, elle ne sera plus connectée, c'est-à-dire elle aura tiré tous les nutriments du sang. Voilà. Je vais vous montrer un qui est vraiment tête blanche là-bas au fond. Alors lui, il a une tête, on dirait un zombie, mais non. C'est parce qu'il va fixer beaucoup plus de contact xanthine que les autres. Et regardez. Donc là, les masques ils ressemblent à rien du tout, mais d'ici 2-3 semaines, vous allez voir en fait la différence. J'en ai encore d'autres là-bas, des têtes blanches, des porteurs de FAO. Donc comme vous avez vu, j'ai dû vendre un peu plus d'oiseaux là, parce que j'avais un problème en fait de place, les amis. Donc j'ai décidé de mettre pas plus de 4 oiseaux par volière de 2,40 m. Comme ça, ils vont pas stresser. Et ça me laisse en fait plus de semaines. Par exemple, là, 4 oiseaux par volière. Je change le papier de fond maintenant toutes les 2 semaines, au lieu que ça soit toutes les semaines. Ils salissent moins. Et puis, je lave. Maintenant, c'est le premier test. Donc, ça fait 1 mois que j'ai pas lavé la grille de fond. Donc, je remarque qu'elle est moins sale que chez les canaris qui sont plus nombreux, quoi. Donc je pense que cet hiver-là, je vais fonctionner pareil. 4 oiseaux dans une volière de 2,40 m. Et voir en termes d'hygiène comment ça va se passer, les amis. Donc là, je ne vais pas sortir les batteries. J'attends qu'ils finissent vraiment leur mue. Une fois qu'ils ont fini leur mue, je vais sortir toutes les batteries dehors et je vais les laver à l'eau de Javel. Histoire qu'ils passent en fait l'hiver dans des batteries vraiment désinfectées et propres. Là, je vais juste sortir les plateaux et les grilles. Et je vais donner un coup de chiffon sur les parois et sur les perchoirs. Vous voyez les perchoirs, ils sont un peu sales quand même.
C'est tout à fait normal, les oiseaux essuient leur bec dessus. Un petit rappel sur la pâtée. Donc voilà, une pâtée comme ça, avec de la cantaxanthine, je la donne 2 fois par semaine, suivie d'une cure de choline pour nettoyer le foie et les fonctions hépatiques. Voilà, donc les canaris cette année, je ne les ai pas colorés, les amis. Donc les jaunes, ils seront jaunes, les jaunes ivoires, ils resteront jaunes ivoires, et les blancs, ils resteront blancs. Donc j'ai pas fait comme d'habitude. Et puis pour le sexage, je vais me débrouiller. Donc moi d'habitude, je colore juste pour distinguer les mâles des femelles, parce que les mâles, ils vont fixer beaucoup de rouge, alors que les femelles un peu moins. Et bah, cette année, bon, bah, je vais un peu galérer pour le sexage, mais ce n'est pas grave. Je préfère pas les colorer, les laisser au naturel cette année, avec peut-être une possibilité d'envoyer quelques-uns au concours, si d'ici là, je garde les canaris, parce que je suis toujours en train de réfléchir. Voilà, donc là, cette année, les canaris, j'ai eu que 3 couples de chardonnerets qui ont nourri leurs propres jeunes. Et 2 autres, en fait, j'ai dû me servir des canaris. Donc, je me suis retrouvé, en fait, avec des canaris, sans vraiment faire d'élevage de chardonnerets avec. Donc, c'est pour ça, là, je suis en train de réfléchir. Donc, ça, c'est une souche d'arlequin, de huppé allemand, pardon, que j'ai récupéré de chez Gilles Le Gall. Donc, il y a 3 ans, j'ai récupéré 2 couples. Il y a 2 ans, j'ai récupéré aussi un couple. Et l'année dernière, non, il y a 2 ans, j'ai récupéré 10 couples, pardon. Et puis l'année dernière, comme vous avez vu, j'ai pas acheté de. C'est avec les 2 cumulations, en fait, de couples de Gilles Le Gall. J'ai fait une première génération, une deuxième, et là, c'est une troisième génération que vous voyez tout en bas. Donc l'idée, c'est de répartir les canaris dans cette salle-là. Parce que eux, ils vont démarrer la mue, et puis les chardonnerets dans cette salle-là, parce que eux, ils sont sur leur fin de mue. Voilà, donc les chardonnerets maintenant, ils sont sur un programme de coloration des masques. Voilà, donc un très 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 bon sujet là-bas au fond. Quand tu vas sortir de la mue, on va vraiment voir la qualité. On verra mieux la qualité. Et là-bas, c'est un tête blanche porteur d'opale. C'est pareil, mais quand il va sortir de la mue, on verra mieux. Et en haut, en fait, ce sont des FAO. Donc j'ai vendu tous mes sujets FAO. J'ai gardé les plus beaux porteurs et porteuses. Voilà, donc pour l'année prochaine. J'ai gardé ici 5 sujets. Et de l'autre côté, en attendant le sexage, j'ai gardé 3 sujets. Donc en porteur de FAO, j'en ai gardé 7 en tout. Mais je vais probablement garder 2 couples uniquement. J'attends que les autres ils font leur mue pour voir les plus gros masques. Donc ceux-là, j'ai gardé les plus gros masques, les plus belles structures, les plus belles structures, les plus gros gabarits. Voilà. Et là-bas, j'attends en fait qu'ils finissent leur mue pour pareil, faire une sélection, faire un sexage. Et puis. Donc ici, c'est pareil, je vais garder un seul couple entre les porteurs et les opales. Et ici, je vais garder un couple, je pense aussi. Donc pour l'instant, j'attends que les autres y finissent pour distinguer clairement les gorges blanches, les panachés, les bavettes, les Isabelle pastel, les bruns pastel. Donc certains, ils sont déjà réservés, d'autres, ils sont déjà partis. Donc j'ai dû vendre déjà, je pense, 6. 1, 2, 4, ouais, 6. 2, 2, 1 plus 1. Donc ce qui reste, c'est des oiseaux sur lesquels j'ai un doute, soit au niveau de la mutation, soit au niveau en fait de la qualité. Donc je préfère les garder jusqu'à la fin de la mue pour confirmer la qualité ou la mutation, et puis je verrai. Donc vous voyez en haut les masques, les amis, je sais pas si on arrive à venir. Les masques, ils sont vraiment vraiment très très gros. Très très gros masques. Bon, je vous montrerai tout ça. Donc vous voyez comment est les salles d'élevage, des plumes par terre. Les plateaux. Je vais essayer de partager avec vous les étapes rapidement. C'est toujours mieux d'avoir un rappel de temps en temps. Donc, je vous le redis, changement de papier de fond, lavage des plateaux, lavage des grilles, nettoyage des parois et des perchoirs. À tout de suite. Donc, j'ai oublié de vous montrer le produit pour la coloration, c'est le Contax. Donc vérifiez bien la date
d'expiration. Donc là, j'avais pris. Il a été remis sur le marché aussi. Hein. Donc ça faisait un an, il a été sorti du marché parce qu'il devait revoir, soi-disant, le taux de contaxanthine. Et là, ils l'ont remis sur le marché avec le même taux de contaxanthine. Donc j'ai pas compris pourquoi il a été rappelé. Enfin bref, donc pour sécuriser, j'avais pris un demi-kilo, sachant que je n'ai pas utilisé un demi-kilo. Hein. Je vais utiliser 200 grammes cette saison. Parce que je colore pas les canaris cette année. Donc comme vous voyez, ils sont jaunes. Donc ceux-là, c'était le premier groupe. Ils sont jaunes. Et je les garde comme ça. Donc soit j'enverrai en fait quelques sujets au concours en hiver, novembre, décembre. Ou soit en fait si je sors les canaris de mon élevage en hiver, bon bah au moins celui qui va continuer à travailler cette souche-là, en fait, il aura des oiseaux naturels et pas colorés. Mais donc du coup, voici le produit, les amis. Donc ensuite, quand on utilise le Contax pour la coloration, il faut faire une cure de 2 jours de bétacol ou avicol ou océcoline. De toute façon, un produit qui contient en fait de la choline pour nettoyer le foie, parce que le colorant en fait, il va se stocker dans le foie. Comme ça, on fait la coloration proprement dans les règles de l'art. Donc avant de démarrer ma journée, les amis, je ne fais plus de pâté pour les jeunes parce que tout le monde est sevré. Canaries et chardonnay. Par contre, j'ai dû faire en fait une pâtée ou une bouillie de nectar pour des oiseaux que je vais vous montrer plus tard dans la chaîne. Voilà, donc je commence ma journée toujours par la bouillie de nectar. Donc je vous expliquerai la recette et tout. Voilà, donc je la donne à des oiseaux que je vous montrerai plus tard sur. Donc c'est pas pour nourrissage humain, c'est juste des oiseaux en fait qui se nourrissent uniquement de nectar et de fruits. Donc du coup je vous présenterai cette espèce-là plus tard dans la chaîne quand on aura le temps. Donc, on va démarrer le nettoyage des deux élevages canaris et chardonnay, les amis. Donc, je rappelle aussi les amis, pour ceux qui n'ont jamais le temps d'observer leurs oiseaux, le nettoyage c'est aussi le moment idéal pour essayer de regarder ce qui s'est passé en fait dans cette cage là, dans cette batterie. Donc là ça mange bien. Vous voyez que les chardonnerets ils salissent pas beaucoup parce qu'ils sont que 4 parvoliers, alors que pour les canaris il va y avoir énormément de. Donc je regarde tout ce qu'ils mangent, ils mangent un peu tout, la périlla, le chanvre, les chardons-marie, l'alpiste. Donc là ils mangent un peu tout. Tiens, plume. Donc là c'est la preuve qu'en quoi ils sont mûrs, les amis. Une deuxième plume ici. Voilà. Donc ils ont déjà fait tomber le duvet. Donc ça c'est le duvet. Et ça c'est des plumes de. Ça c'est des rémiges. Là, c'est des plumes de brôle. Et ça c'est des plumes en fait, d'isolation. Vous voyez que les fientes, il n'y a pas de fientes liquides, il n'y a pas de fientes bizarroïdes. Donc je vais enlever ça, je le mets dans une poubelle que j'ai mis à côté, et puis j'aspirerai le plateau, je vais le laver et je mettrai un nouveau papier, les amis. Donc toujours sur les plateaux des chardonnerets, les amis. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que celui-ci est un peu plus sale. Bah, c'est en fait l'endroit au-dessus duquel je mets la pâtée. Donc vous voyez la pâtée, elle n'est pas trop abusée. Le dosage de la contaxanthine avec la pâtée industrielle. Et puis on le voit dans les fientes. Donc dès que vous voyez des fientes qui commencent à devenir rouges, c'est-à-dire il y a trop de colorants. Vous avez mis trop de colorants d'un seul coup. Donc diminuer le colorant. Donc vous voyez, moi avec l'expérience et le temps, en fait, j'ai fini par comprendre et par doser. Moi-même en fait ce qu'il faut à mes oiseaux, par individu, et ça ne se voit pas du tout dans leurs fientes, les amis. Alors qu'avant, il y a quelques années, en fait, j'avais un problème, j'arrivais pas à identifier la dose nécessaire par oiseau, et surtout qu'à l'époque, je colorais tous ceux qui étaient susceptibles de fixer du colorant ou pas, par manque d'expérience. Aujourd'hui, non, je cible uniquement les oiseaux qui sont porteurs de tête blanche ou tête blanche, et j'injecte la bonne dose, et je sais le voir aussi sur les fientes. Donc dès que j'ai des fientes qui sont rouges, c'est qu'il y a trop de colorant qui part en fait dans les fientes. C'est qu'on dose trop de colorant d'un seul coup qui ne sera pas en fait pris par le corps, et donc le corps il le jette, et il va falloir diminuer les doses, les amis.
Et c'est un indicateur aussi pour voir si en fait le corps il est nettoyé, le foie il est nettoyé par la choline dont j'ai parlé en début de la vidéo, les amis, parce que sinon les fientes seraient liquides. Quand le foie il est gonflé, il a accumulé beaucoup d'aliments, en fait la bile est de tellement de mauvaise qualité qu'en fait au lieu qu'elle aide la digestion dans le tube digestif, au contraire en fait elle va rendre le tout liquide. Il n'y aura pas d'absorption par les parois des intestins et ça va se traduire par des fientes liquides ou des fois même des fientes un peu vertes, les amis. Et c'est pareil, donc je regarde ce qu'il mange ici, il mange un peu tout. Même le chardon-marie, il le mange, vous voyez ici. Ça, c'est du chardon-marie, les amis. Vous voyez qu'avec le temps, ils arrivent à décortiquer le chardon-marie. Donc, les amis, les deux premiers plateaux sont propres. Donc, je vais les remettre et je dois procéder de la même façon sur les 30 plateaux que j'ai, les amis, dans les deux salles. Donc là, j'ai fait les 40, les 30, pardon, les 30 bacs, les amis. Donc, tous les bacs, ils sont propres. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai pas eu de surprise. J'ai juste les jeunes ici sont entre eux, mais ils continuent en fait à s'arracher les plumes. Donc ceux-là, je vais vous montrer ce que je vais leur appliquer, le produit que je vais leur appliquer. Et puis j'ai les canaris qui sont en manque de bonnes vitamines. Voilà, donc pourquoi, comment j'ai su qu'ils sont en manque de flore intestinale, les amis, c'est parce qu'ils vont manger leur fiente. Donc quand ils mangent leur fiente, c'est qu'ils ont besoin en fait d'argile, ils ont besoin en fait de matière un peu pâteuse pour protéger les parois intestinales et pour rebooster leur flore intestinale. Donc du coup, pour cela, je vais aussi vous montrer le produit que je vais utiliser, les amis. Mais pour les chardons de Rennes, non, c'est nickel. Mais bon, les canaris, je ne sais pas, ils ont été blanchis au mois de février, pareil que les chardonnerets. Mais là, tout à l'heure, j'ai vu que tout le monde était en train de manger les fientes. Donc ça, c'est un signe comme quoi ils ont besoin en fait de booster leur système, leur flore intestinale, pardon. Donc du coup, pour les oiseaux qui se piquent, les amis, les jeunes qui se piquent, vous avez ce produit-là, le No Pique, qui a un goût assez amer. C'est un spray. Il faudra venir en fait en appliquer de 15 à 20 cm sur l'oiseau, histoire en fait de lui en mettre un peu sur les plumes, comme ça, comme si. Quand il se fait piquer par les autres, en fait, avec le goût amer, ça, en fait, ça fait éviter que les autres viennent le piquer en permanence, les amis. Donc ça, c'est appliqué, par exemple, matin et soir, et puis pendant toute la période où ils sont susceptibles d'être piqués, soit par les parents. En général, c'est par les parents, mais là, ils sont tout seuls dans la batterie depuis déjà 2 semaines, depuis mon retour, en fait, de Corée. Et puis je vois qu'ils continuent en permanence de perdre des plumes, ça veut dire qu'ils se piquent eux-mêmes. Est-ce que c'est des disputes? Est-ce que c'est un jeu? Je vais par précaution appliquer ce produit-là à partir d'aujourd'hui. Ensuite, pour la flore intestinale, les amis, j'ai le Bacille Plus, donc les anciens y connaissent. J'utilise en fait ce probiotique, prébiotique dans la pâtée une fois que je sens que mes oiseaux ils ont un coup de mou ou après une opération de blanchiment au mois de février. Donc je vais donner ça à l'ensemble des oiseaux, que ce soit chardonneret ou canari. Donc je rappelle, ce sont des bactéries souches aviaires qui sont desséchées. Il faudra le mélanger avec de la pâtée un peu humide pour réactiver toutes les. Tous les micro-organismes responsables en fait d'une régénération de flore intestinale. Donc maintenant les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir toutes les grilles. Vous voyez comment elles sont. Voilà, donc je vais sortir toutes les grilles et je vais les laver dehors. Voilà les amis, donc ensuite, là je les ai déjà nettoyées d'un côté. Je viens les tremper. Donc je les trempe et puis je prends la brosse que vous voyez là-bas et je viens les gratter. Voilà, donc sur les deux faces. Donc vous voyez tout ce qui sort là par terre, tout ce qui sort. Alors, tout ça c'est des saletés bien sûr. Bon, j'utilise pas d'eau de javel là. Voilà, donc pour pas tuer les arbres.
pas tuer la faune. Quand j'utilise l'eau de Javel, je l'utilise à l'intérieur, les amis. J'utilise des bacs, comme les anciens ils savent. Donc j'utilise des bacs, l'eau de Javel, et puis je les évacue directement dans les évacuations. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je prends cette brosse là et je brosse. Donc les amis, les bacs sont propres, les grilles sont propres. Donc ce qui reste, il reste là sur le module. Donc vous voyez les résidus de la pâtée et des graines. Donc ça, avec une vieille brosse à dents, je vais essayer de, d'enlever en fait tous les résidus. Il reste aussi les parois de fond. On ne les voit pas là sur la caméra, mais voilà, il y a quand même quelques particules. Les perchoirs aussi. Donc ça, c'est avec un pchit, eau de Javel, un pchit. Je vais venir arroser et puis je fais passer en fait un torchon pour bien nettoyer les parois. Et avec une vieille brosse à dents, comme je l'ai expliqué, bah, je viens nettoyer les modules. Voilà, là où se dépose la pâtée. Les graines sont des fois aussi défiantes, les amis. Donc là, tout est propre, les amis. Les parois, les perchoirs, les grilles, les bacs. Donc du coup, je vais m'occuper en fait de réagencer les batteries. Donc je mettrai dans cette salle là que des chardonnerets, les quelques reproducteurs qui me restent et les nouveaux, et puis les canaries, je les mettrai dans l'autre salle. Vous voyez les amis, il est déplumé. Donc il est déplumé sur le dos, et il est aussi déplumé sur le ventre. Donc je vais appliquer ce produit là. Voilà les amis, fin du nettoyage. Donc tout cela, ce sont les jeunes canaris huppés allemands, blanc et jaune. Donc du jaune chimel et du blanc. Donc ici au-dessus, ce sont les reproducteurs. Voilà, donc à la même occasion, je leur ai donné du périlla parce qu'il y en a certains qui commencent juste à peine d'être sevrés. Et je leur ai donné en fait la pâtée, donc c'est de la semoule avec le produit que je vous ai montré, Bassi Plus, pour la flore intestinale. Voilà, donc j'en ai profité pour donner à tout le monde. Donc ici, les canaris, je vais les gérer avec des racks. Donc je vais rajouter tout... Non, il y en a déjà deux. Donc il y a deux racks ici, deux racks là-bas. Les adultes, il y a un rack là, je vais rajouter tout à l'heure un rack. Je les ai lavés. Donc les canaris, je vais les gérer qu'avec des racks, les amis. Voilà, donc c'est du mélange. Comme ça, ici, j'applique en fait un programme de lumière. Et de l'autre côté, là, j'ai les chardonnerets. Donc, eux, je vais les gérer avec des mangeoires, comme vous le savez. Donc, vous voyez, ils sont en train de manger la pâtée aussi. Là, donc, eux, je les gère avec des mélanges parce que c'est 15 grammes. Je donne entre 12 et 15 grammes de mélange, plus alpiste à volonté. Là, donc, j'ai mis 4. Donc les trois premières batteries, j'ai mis 4 par cage. Les dernières batteries, j'ai mis 7 par cage. Je ne sais plus où est-ce qu'ils sont, ils sont derrière moi. Voilà les amis, donc pour l'instant, tout est propre. Donc j'ai partagé avec vous une journée type de nettoyage. Donc c'est pas le gros nettoyage, donc plus tard... Avant de partir en congé, je vais vous faire un petit vlog où je dois sortir en fait toutes les batteries, les mettre dans le jardin. Là, aujourd'hui, j'ai pas eu à utiliser en fait le Karcher, j'ai utilisé le tuyau d'arrosage et je me suis rendu compte que c'est aussi pratique qu'un Karcher parce que le Karcher, il faut le ranger derrière et tout, je perds beaucoup de temps. Donc quand je sors tout ça, j'en profite pour changer les LED. Voilà, pour la période hivernale. Et j'en profite aussi pour donner un coup de peinture à la salle, les amis. C'était Canaris du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo, les amis.